Bonjour Eva, tu as entendu parler de Tizi? Oui Rémia, Tizi, c'est le sigle de la Tariq Ibn Ziyad Initiative, une initiative politique, née d'un texte fondateur, le manifeste de la jeunesse marocaine du 20 août 2011, signé par 67 jeunes marocains. Qui sont les signataires de ce manifeste? Des jeunes de 16 à 35 ans, des lycéens, des étudiants, mais aussi des ingénieurs et des cadres supérieurs, issus de Casablanca et de Rabat, mais aussi d'Agadir, Oujda, La Haye-Youne, Oulmès ou Moulay-Boisa, et des Marocains de France, du Canada et d'Allemagne, qui se sont regroupés pour peser sur les résultats des élections de novembre 2011. Peser sur les résultats des élections? Oui, Rémia. Tizi souhaite aider les millions de jeunes Marocains de 18 à 35 ans, qui n'ont pas encore d'opinion politique, à trouver pour qui ils vont voter en novembre. Vous allez leur dire pour qui voter? Non, il s'agit juste de décrypter, pour eux, les campagnes électorales et leur dire quel parti politique semble en mesure de s'attaquer de manière efficace aux vrais problèmes du fond du Maroc. Qui sont? La lutte contre la corruption, la défense de nos valeurs, la réforme de l'école, l'adaptation des formations universitaires aux besoins des entreprises, la réduction des inégalités, une distribution plus juste des richesses, et la création d'emplois pour les jeunes. Et comment Tizi va décrypter les campagnes électorales pour les jeunes? Pendant les trois mois précédant les élections, l'Observatoire politique des jeunes de Tizi va créer des outils de notation, des comparateurs politiques qui vont scorer de manière scientifique chaque parti sur plusieurs aspects, les programmes, la qualité des hommes, les réalisations passées et les instances internes. Qui est derrière Tizi? Un parti politique? Pas du tout, Limia. Tariq Ibn Ziyad est une initiative politique indépendante, créée pour les jeunes par des jeunes. Tizi ne compte que sur la bonne volonté de ses membres et de ses sympathisants. Et n'importe qui peut contacter et rencontrer ses initiateurs. Et après les élections, que va devenir Tizi? Un parti politique? Tariq Ibn Ziyad Initiative a comme objectif à long terme de contribuer à reconstruire le politique au Maroc et à susciter des vocations politiques auprès des jeunes marocains talentueux. Tizi ne deviendra pas un parti politique, mais peut servir d'incubateur politique. Et si moi aussi je veux rejoindre Tizi, qu'est-ce que je fais? Si tu veux t'exister, c'est très simple. Il suffit d'aller sur google.ma et taper Tariq Ibn Ziyad Initiative. En signant toi aussi le manifeste de la jeunesse marocaine, tu rejoins Tizi et tu contribues à faire la politique autrement au Maroc.